Moi, je suis fan de Flavien depuis longtemps et quand on a dû choisir une reprise, enfin en tout cas un duo avec il faire, ça me semblait être fantastique dans le sens de recentrer sur la musique, d'être sur quelque chose d'assez pur parce que je trouve qu'il se dégage ça de Flavien, mais de rien. Moi j'adore, on parle souvent d'Ivy Lennox, donc c'était l'occasion de rendre hommage et voilà. Et c'est une chanson, pas de duo au départ, c'est une chanson qu'une seule personne chante. Et là le fait qu'on la fasse chanter par deux personnes, il y a un truc où on la rend un peu schizophrène et c'est pas mal. Et puis moi je chante pas en anglais d'habitude, du coup c'est aussi une espèce de partage sur un terrain que je connais pas forcément. Et je sais pas si on merci, dit talk ou talk. Voilà. Ouais, c'est ma grosse question de ce soir. On en parlera. Je crois que c'est talk. Talk, ouais. Talk. Talk. Là, c'est à l'anglaise. Ouais, voilà, elle est anglaise. Hein. Ouais. Non, oui, elle est anglaise. Moi, ouais, ça me rappelle la voiture de ma maman, Eurythmics. Elle avait une cassette audio de Eurythmics et une cassette audio de Tina Turner. Et c'était. Voilà. Je vois la connexion. Cheveux. Ouais. Cheveux, couleur de cheveux. Ouais, super, super. Les conditions sont optimales. Tant mieux, pourvu que ça dure. En fait, on fait tous les deux tout ce que fait l'autre. Il n'y a pas de moment où il y en a un qui fait quelque chose que l'autre ne fait pas. Donc, on s'est partagé de manière anti-conquérante le morceau. Exactement. Exactement. C'était anti-conquérante, c'est très bien. Moi, j'étais quasi prête à ce qu'on fasse tout à l'unisson parce que j'aime bien que ça fonctionne comme ça plutôt qu'un. Un punch ping-pong un peu finalement on se partage quand même la chanson mais il y a pas de on n'est pas dans la compète quoi. Est-ce qu'on peut essayer de mettre Flavien dans ce sens là vers moi ici plutôt? En fait je vais reproduire le truc mais ici parce qu'en fait j'aime beaucoup regarder les musiciens. Ce que je vous propose c'est on démarre vraiment genre nous les duos taratata, ouais, okay. Donc vraiment l'un face à l'autre et au bout moi, de je viens, et je voilà viens, exactement voilà, je après, d'accord. Alors on a découvert la grande religion du duo de taratata où il faut être l'un en face de l'autre, ouais. Et en fait très vite on s'est remis l'un à côté de l'autre, donc on commence dans la tradition mais très vite on se met l'un à côté de l'autre et puis on voilà quoi.